Bon, salut Alexandre, comment vas-tu en ce vendredi pluvieux? Ça va, ça va. Il faisait plus beau en Roumanie. Ouais, donc justement, la transition est toute faite. Bah, comment ça s'est passé avec l'équipe de France qui est, c'était une première pour toi? Ça va, c'était un peu dur un peu quand même, mais ça s'est bien passé. Qu'est-ce que ça fait de revêtir le maillot bleu? Déjà, quand on apprend ça... C'est pas la même chose que le PSG, c'est une autre sensation, mais c'est bien aussi. Justement, ouais, les différences, si tu as quel niveau? Émotionnel surtout. Au niveau du jeu, ça va un peu plus vite, mais c'est à peu près le même niveau que le PSG. Et le fait d'être plusieurs Parisiens, est-ce que ça aide à l'intégration? Ouais, mais on se connaît un peu plus, de plus ou moins, par rapport à la Coupe nationale. Mais... Et le jour où on est sélectionné, est-ce que c'est une surprise ou tu t'y attendais un petit peu par rapport à tes progrès? J'étais surpris un peu au début, mais non, c'est... ça m'a fait du bien. Est-ce que ça va être facile de se replonger dans le championnat là pour ce week-end? Oui, c'est déjà fait. Ouais, donc c'est Lens qui se présente à vous. Un mot sur ce match au sommet, donc qui risque d'être très important pour la suite des choses. Bah, j'espère qu'ils l'ont bien préparé cette semaine. J'étais pas là pour le voir, mais je suis sûr qu'ils ont fait du bon travail et puis je suis confiant, on va les battre ce week-end. Et on te souhaite un bon entraînement, bon match. Merci. Et puis à plus tard. Au revoir. Salut Alex.